Bienvenue à notre école virtuelle d'agriculture. Aujourd'hui, on va parler de bananiers plantains. Pour les anciens, merci pour tous les encouragements que vous faites jusqu'ici. Pour les nouveaux, vous ne sortirez pas bredouille d'ici la fin de cette vidéo. On vous apportera pas mal d'informations nécessaires pour vous aussi vous lancer. Mon manager m'a demandé de ne pas faire cette vidéo, surtout sur le bananier plantain, avant la formation que je compte faire en Côte d'Ivoire, mais j'ai dit tiens. Il n'y a pas une très grande différence entre ce que je ferai en Côte d'Ivoire et ce que je ferai ici. Donc c'est une formation gratuite que je vous offre. Sauf qu'on ne va pas parler d'itinéraire technique ici. Ce sera surtout le process financier. Donc il est question qu'ici je vous montre comment gagner 5 millions sur la culture de bananier plantain en un laps de temps. C'est peut-être pas la culture la plus rentable, mais c'est une culture assez stable, mais aussi assez durable pour vous permettre de faire un chiffre d'affaires plutôt très important. Donc si vous restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, vous gagnerez beaucoup. Mais aussi, partagez la vidéo à tous ceux qui veulent faire du bananier plantain, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il aura au moins une information qui va être très utile. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ibarri. Sur cette chaîne je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. J'ai pris un mois en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Algérie, Niger, Mali et Côte d'Ivoire pour plusieurs choses. D'abord, la fertilisation, ça va vous apporter des formules d'engrais qui sont très intéressantes. Deuxième chose, l'étude des sols, l'évaluation des terres afin de vous permettre de savoir quelles sont les cultures les mieux adaptées de votre sol. Autre chose, on va parler de l'agriculture sur serre, les systèmes d'irrigation, bref, il y a pas mal de choses qu'on va faire. Mais on a deux grands rendez-vous de formation en Côte d'Ivoire sur une formation de ce genre. Donc inscrivez-vous, les contacts sont disponibles. Et ces deux grandes formations, que ce soit au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, on va parler de l'association de l'avocat au bananier plantain afin d'optimiser. Et je vous dévoilerai également la culture ou bien la basse culture ou culture de couverture que nous faisons ici pour mieux nous en sortir. Donc aujourd'hui on va parler de comptabilité, ce que vous investissez et ce que vous gagnez sur un hectare de bananier plantain. Donc ici comme d'habitude on va mettre éléments, ici on va mettre le nombre, ici on va mettre le prix unitaire et le prix total. Donc la culture de bananier plantain est nécessiteuse en trop d'éléments. Donc on va voir tous ces différents éléments ici qui vont sans cesse vous être très utiles. Donc prenez votre bloc-notes, prenez tout ce qu'il vous est afin d'être sûr, d'être à la ligne avec nous. La première chose que vous avez besoin pour la culture de bananier plantain, c'est l'espace. Et je vous conseille de commencer à minimum 1 hectare. Si vous faites moins d'un hectare de bananier plantain, vous risquez de ne pas être rentable. Lorsque vous faites donc 1 hectare de bananier plantain, vous êtes sûr que vous êtes sur les marges. Donc, je vais supposer que votre site est déjà presque prêt. Donc, je suppose clairement dans cette vidéo que vous n'avez pas une forêt à déboiser, vous n'avez pas un savant à déboiser. Et donc, que vous avez une jachère, ça peut être un espace que vous avez acheté, ça peut être un espace clairement que vous avez loué, et ainsi de suite, mais dans tous les cas, ça peut être un espace utile pour la culture de bananier plantain. La première des choses que vous allez donc payer, c'est le défrichage. Et ici, le défrichage chez nous se paye à l'hectare. Donc, il y a des zones où vous pouvez prendre des tâcherons pour le faire, mais nous vous conseillons de payer à l'hectare. Donc ici, on aura 1 hectare. Et à 1 hectare, on est en principe à 40 000. Dans le prix total, on est à 40 000. Il faut faire la remarque sur le fait qu'il y a des zones où on peut défricher 1 hectare à plus de 40 000. Il y a également des zones où on peut défricher 1 hectare à moins de 40 000. Dans tous les cas, prévoyez 40 000 plus la nourriture, plus le transport. Et sur le terrain, vous verrez bien ce qu'il faut faire.
Dans les pays comme le Congo, le Gabon et même la Guinée équatoriale, on vous dira qu'un hectare, c'est 60 000. Ce qui est évidemment vrai parce qu'on est dans une zone où la main-d'œuvre se fait rare et les forêts sont des hautes forêts, les savanes sont des hautes savanes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des terres qu'on a eu l'habitude de cultiver comme le sud du Cameroun, la partie centre, sud, est du Cameroun. La deuxième chose que vous avez besoin, c'est des bifs. Alors pour ceux qui ne me suivent pas et qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le pif, c'est tout simplement la sémence. Hier, on parlait des rejets, mais aujourd'hui, je vous parle des pifs. Que ce soit le pif ou le rejet, le prix est sensiblement la même chose. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que lorsque vous êtes dans une nouvelle plantation, il sera plus intéressant d'utiliser le pif par rapport au rejet. J'ai fait une vidéo où je faisais clairement la différence entre le pif et le rejet. Les avantages du pif, les avantages du rejet, donc pas vraiment besoin de revenir là-dessus. Mais à l'hectare, vous avez besoin de 2000 unités. Les 2000 unités vous coûteront 200 francs et vous serez donc finalement à 400 000. C'est peut-être la partie la plus coûteuse parce que 400 000 à débourser pour un seul hectare, c'est déjà énorme. Pourtant, il y a des cultures qu'avec 400 000, vous pouvez déjà cultiver. Bien. Ce que vous devez donc considérer, c'est aussi le transport. Parce que les livreurs de pif ou de rejet ne vous livrent pas forcément chez vous au champ. Vous devez venir les chercher. Donc, pour préciser, nous avons encore dans notre programme de sémences 10 000 à 12 000 pifs de Manaï Plantain repartis en Malmayo ayant une légère partie en Djombé Cameroun. Donc, on a encore des pifs. En termes de rejet, on a un palmarès. Vous savez que j'ai fait 10 hectares de Manaï Plantain, donc par jour, je peux clairement vous livrer 10 000, 20 000, 30 000 de rejet sans autant de fatiguer. Après donc la sémence, puisque nous avons tenu compte du transport ou qu'on va tenir compte du transport tout simplement, vous avez besoin de ce que nous appelons le piquetage. Donc le piquetage ici, c'est le principe qui consiste à délimiter ou déterminer tous les points à trouer. Et ce sont ces différents points-là qui vous permettront tout simplement de venir faire la trouaison. Donc en piquetage ici, nous on évalue en hectare. Et un hectare vous prendra en moyenne 50 000. C'est le prix moyen quotidien. Donc ici, vous avez 50 000. Après donc, le piquetage, vous avez une étape prioritaire qu'on appelle la trouaison. Ici, la trouaison, il y a deux manières de le faire. Vous pouvez faire les trous à la main, comme ce qu'on a eu l'habitude de faire, ou bien vous pouvez faire les trous à la machine. Pendant que je serai en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, je présenterai des machines parce qu'on a un camarade qui a acheté une machine en Côte d'Ivoire. On va utiliser cela pour vous montrer comment faire les différents trous. Donc ici, vous avez 2000 trous à faire. Et ces différents 2000 trous, ici, je fais l'unité à 100 francs. Ça fait 200 000. Voilà la trouaison. Après la trouaison, vous avez ce que j'appelle d'habitude le ravitaillement. Le ravitaillement, en fait, c'est une étape très négligée par tous. C'est-à-dire, c'est le principe qui consiste à porter les plantes de là où la voiture a laissé pour distribuer au bord de chaque trou. Attention, vous ne devez pas vous engager à planter si vous ne savez pas si la voiture arrive au champ. Auquel cas, je vous dis un exemple. Il y a des sites où nous nous sommes engagés à travailler et la voiture s'arrête à 5 km. Donc, il faut porter les trucs sur la tête pour pouvoir marcher. Et si vous n'avez donc pas prévu l'étape de ravitaillement, vous comprendrez qu'un gros investissement ira dans ce sens. Et au final, ça ne vous aidera pas. Alors, vous avez 2000 pieds à ravitailler. En général, je fais à 25 francs. Donc, on va essayer de calculer 2000, voilà, 2000 fois 25. Donc, on serait en gros à 50 000 pour le ravitaillement. Après vient l'étape de planting. Voilà. Donc, à l'étape de planting, en général, on a 2000 pieds à planter. Je fais le planting à 100 francs, donc on a 200 000. Voilà. Donc, après le planting, vous avez un produit que vous allez forcément utiliser. Dans nos régions du centre sud-est, il faut absolument utiliser un nematicide. Le nematicide joue un rôle majeur dans la désinfection du sol. En tout cas, c'est un nématicide qui tue les nématodes du sol. Et ces nématodes du sol sont capables de couper les racines de vos jeunes plantes. Et si vous coupez ces racines, la bulbe va forcément se charançonner et plus tard le bananier va tomber. Donc vous avez obligation de mettre le mocap.
Et en principe, pour un hectare, c'est-à-dire 2000 pieds, il vous faut 20 kg. Le kilo coûte en moyenne 5000 francs, c'est-à-dire en principe 100 000. Voilà. En principe 100 000. Donc voilà quelques éléments nécessaires. Au-delà de tout ça, vous avez besoin de l'entretien de votre parcelle, l'entretien. Ici, l'entretien, c'est le défrichage. Alors, en général, on fait deux défrichages lents et un défrichage vous coûte 40 000. Voilà, donc on est en principe à 80 000. On va parler également de la fertilisation. Voilà. Les engrais. Auquel cas, la première année, les engrais ne sont pas très nécessaires. Si vous venez de couper, abattre, j'allais dire une forêt, vous n'êtes pas obligé de fertiliser. Mais si vous êtes déjà à la deuxième année, assurez-vous de faire la fertilisation aux fientes ou aux engrais. Ou bien aux fientes et aux engrais. En tout cas, je ferai une vidéo clairement sur la fertilisation du bananier plantain et je vous donnerai, n'est-ce pas, tous les détails nécessaires. Et pendant qu'on serait également en Côte d'Ivoire pour la même formation sur le bananier plantain, vous verrez qu'on va apporter les formules dépendamment des analyses de sol que je vais faire. Parce que la première semaine, quand j'arrive, je vais faire les analyses du sol, que ce soit à l'est frontière avec le Ghana, que ce soit à Abidjan ou bien à Yamoussoukro, je vais faire trois prélèvements. Et c'est en fonction de ça que je vais établir le calendrier de fertilisation spéciale Côte d'Ivoire. Pareil au Burkina Faso, pareil au Mali. Ainsi de suite. Donc, en termes de fertilisation ici, vous pouvez prévoir 50 grammes par plante, c'est-à-dire deux fertilisations lents. Ça vous fait 100 grammes fois 2000 pieds sur 1000 pour déterminer en kilos. Donc, ça vous fait 200 kilos. 200 kilos ici, c'est 4 sacs. Le sac d'engrais coûte en principe 25 000 chez nous, fois 4, on est dans 100 000. Vous pouvez également utiliser ces 100 000 pour acheter 50 sacs de fientes. Ça vous fera le même deal. Après quoi vient l'entretien? On en a déjà parlé, oui. Il y a donc le total numéro 1. Donc, on va évaluer le total. Et vous savez qu'ici, c'est après le total qu'on évalue les imprévus plus le transport. Bien, on va aller à 40 000, ouais, plus 400 000, plus en principe 250 000 pour jumeler, ouais. Plus, on était à 250 000, plus 250 000, disons 350 000. Oui, et en prix, ouais, jusqu'ici. Donc, plus 180 000 en principe, plus 180 000. Donc, ici, on est à 1 200 000. Très bien. 1 220 000. 1 000, ça vous fait 1 220 000. Voilà, donc voilà en principe l'investissement de base. Si on inclut donc le transport plus les imprévus, je vous ai dit dans des vidéos beaucoup trop précédentes que ça a la valeur de 20%, non 15%, donc 10% pour le transport et 5% pour les imprévus. Ça fait qu'on a 1 220 000, 1 220 000 fois 15 divisé par 100. Donc le transport plus l'imprévu c'est 183 000. Voilà, on a 183 000. Alors maintenant, il faut faire le total général. Ça, c'est culture de bananier plantain. On va donc faire total général, c'est-à-dire 183 000 plus 1 220 000. 1 403 000. Très bien, 1 403 000. Donc, en principe, voilà l'investissement de base que vous avez à faire sur un an sur le bananier plantain. Donc, vous pouvez faire l'équivalence de l'investissement. Vous vous retrouvez à, en principe, 1 500 000. Donc, on va refaire notre tableau pour voir comment le bananier plantain est assez rentable. Donc, en principe, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a année 1, investissement, 1 500 000, toutes charges incluses. Alors, à la première année, on ne récolte pas. Ça veut dire quoi? Année 2, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un autre investissement qu'il faut faire, mais il faut déjà procéder aux récoltes. En termes d'investissement, ici, on aura l'entretien plus la fertilisation. Donc, l'entretien, c'est 80 000. La fertilisation, c'est 100 000. Pour la deuxième année, ça fait que l'investissement, c'est 180 000 tel que calculé. Mais la rentabilité ici,
La deuxième année, c'est qu'il faut faire la récolte en principe de 80% des régimes. C'est-à-dire que quand vous avez fait 2000, vous avez fait 2000 fois 80 sur 100, on devrait récolter 1600 régimes pour dire qu'on peut avoir des pertes, ainsi de suite, mais 20% c'est vraiment pour rester large. Donc, lorsque vous faites 1600 régimes, en principe, on devrait avoir 1600 vendus à Beauchamp à 1500 francs. Donc, à l'année 2, on a la capacité de faire 2 400 000. Voilà. S'il faut soustraire les charges, on comprend que 180 000 plus 1 500 000 n'est plus un très grand investissement. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que la même année, vous pouvez encore vendre déjà les rejets de bananiers planteurs de 500 000. C'est-à-dire, à la première année, vous faites, à la deuxième année, j'allais dire, vous faites déjà un revenu brut de 2 500 000. Allons-y à l'année 3. L'année 3, l'investissement reste 180 000, puisqu'on est dans le même scénario, mais la rentabilité, on passe à un peu plus de 120% de récolte. Parce qu'en principe, les 20% de l'année dernière, on va les récolter, mais on va également récolter 100% de cette année. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après l'héliotonnage, c'est-à-dire ayant éliminé d'autres petites tiges, deux fois, on peut laisser deux ou trois faux troncs, deux ou trois tiges de bananiers sur le même pied. Ça veut dire qu'en principe, pour ceux qui font très bien l'entretien du bananier plantain, la troisième année, vous avez la capacité de récolter le double, c'est-à-dire 200%. Donc, nous aimons souvent bien évaluer à 150% pour estimer le fait que vous n'êtes pas en train de bien entretenir. Ça veut dire qu'en principe, si je fais 2000 fois 150 sur 100, on serait clairement à 3000 régimes. Donc, ayant fait 3000 régimes, désormais, vous ne vendez plus à 1500 parce qu'en principe, les régimes ont diminué en termes de poids. Donc, vous verrez que désormais, vous vendez à 1000 francs de régime. Ça fait qu'en principe, on serait à 3 millions. Lorsque vous essayez de cumuler, là, on est à la troisième année. Lorsque vous essayez de cumuler, vous comprenez que le niveau de rentabilité continue d'être croissant. À l'année 4, l'investissement reste 180 000. C'est ça qui fait la beauté du bananier plantain. Mais la rentabilité peut se conserver à 3 millions. Voilà, la rentabilité peut se conserver à 3 millions. Maintenant, à l'année 5, l'investissement reste 180 000, mais on rechute en principe. Donc, on n'a plus la capacité de faire la récolte de 3 000 régimes. On peut rechuter à 2 000 régimes en principe pour dire que, OK, la courbe est déjà décroissante. Donc, les 2 000 régimes, en termes de rentabilité, vous feront 2 millions. En principe, vous pouvez encore faire un an si l'entretien de votre champ est bon. C'est-à-dire, vous allez à l'année 6, vous allez à l'année 7. Mais je vous conseille qu'à partir de l'année 5, vous détruisez votre bananeraie, vous mettez une autre culture comme le manioc, comme l'ananas, comme la papaye. Et un an après, vous pouvez encore revenir au bananier plantain. Lorsque vous faites une sommation algébrique de la profitabilité ou de la rentabilité que vous faites, en tout cas, dans mon itinéraire technique que j'ai établi, tout ceci est en plan de tableau. Donc, le tableau étant petit, on ne sait pas cumuler et faire ce que j'appelle ici la rentabilité brute cumulée. Donc, ici, on va peut-être s'arrêter là pour que vous compreniez à quel niveau le bananier plantain semble rentable. Maintenant, beaucoup vont vous dire que on a la capacité de faire 2500 pieds par hectare au lieu de 2000, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais sauf que le conseil que moi j'ai envie de vous donner, c'est que si vous voulez faire la variété French, allez-y à 1600 pieds par hectare. Mais si vous voulez faire le bata ou le bic et banga ou les cornes, les faux cornes, le mburuku, allez-y à 2000 pieds à l'hectare. Mais si vous aimez trop avoir de l'argent, peut-être vous pouvez aller à 2500 pieds par hectare. Et ce qui est prévu pour moi, c'est qu'il faut aller à 1200 pieds par hectare parce que j'ai l'habitude d'associer l'avocat au bananier plantain. Ce qui fait qu'en principe, lorsque je mets 400 pieds d'avocat, ça absorbe une certaine superficie que le plantain aurait dû absorber. Donc, si vous faites donc 1200 pieds d'avocat, j'allais dire de bananier plantain, plus 400 pieds d'avocat, au final, on se retrouve à 1600 pieds. Donc, on a perdu 400 pieds à cause de l'espace qui est généralement grand, absorbé par l'avocat. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Pour ceux qui seront avec nous en Côte d'Ivoire et éventuellement
au Mali ou bien au Burkina Faso, on pourrait éventuellement travailler sur pas mal de choses. Et on va approfondir, je vous apprendrai à faire les différents calculs et simuler la productivité que vous pouvez avoir. Vous savez qu'on va travailler sur l'avocat. Ça veut dire qu'on va tracer éventuellement la courbe qui vous permettrait de savoir ce que vous aurez à gagner dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. En tout cas, ce sera tout simplement une courbe économique au cours de laquelle on commence à un minimum et puis dès qu'on est en bas du minimum, on détruit la plantation et on reprend. C'était Kanaï Evariste, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Mettez un pouce, commentez la vidéo, mais surtout partagez à ceux qui font du bananier plantain pour qu'ils apprennent l'optimisation des projets. Merci.